wangalizi watukufu wa Facebook FM garijunda o munu maharanika o nga banjede yao ya hafla ikao ya ho wanu mfukare wenda na vadingo ya dunia ulio domro mziru wajiri aruma enifumo rakamio na nga mwanao ele tengo elisali huvuria wakumori wenji wasawa huvuria mahala ni hunu narju sana rimyeshi zengi enamna wakumor wahaja ya wange wangalizi msilawe udunga ema picha ya Facebook FM ili huja mone enamna emotiva ya miendao na doma vya nyuka ya waja o uno rijiunda o madhamana wenji wa wasu ili banzidu wa humkabala wanis nana waja o madhamana ika o liungu wa mafilio nsi ya hatu wa vanu wa wasu ili minhum waziri mzaman bana Jaafar Salim Malawi ika o wakili ya serikali vanu wa wasu ili nana tengwe jinji wa vanu nsi pia wa hudhuria ili ujawa enshi ya seremoni duroko ima ya ho siku wale waono amade heli ramambiani waziri mzamani Jaafar Salim Gevanu Alawi ulio Sarkozy hawaswili haruma ya hafla ya msashu makfira ima kumpatriot kumwari kao wende na unakili haruma ya ajali ya mro kao wakamfukari ebange nana wajau mavamana wahe ngabo Metri Sedlarifu ngabo Ahmed Wadan ngabo Abana nana wasaya tena ngovanu waja ili huja watanganyie daunu wa Komoro pia nana wa Komoro pia ranzu wala harumalisi wala mwali ajube Fatima nana wala harumalisi wala mzuani nana ngazija huja maore pia ngamwonao lechengwe na dushukuri ya zijitihadi za Hemer bana Strozi ikao mkabala wanisi ikao zinu kazi jatufanyiha nekati davo kaya wazikubali wazibahara ya wange wangalizi watukufu wa Facebook FM na zimba waza matangazo ikaunga mridunga o ya mwambiani ukanga simununisi kao mahala ni kao seremoni de recueillement ya dele ya osiku wale wono na ngari wonao ama dele ni mwonao ni jumbe zinji zina wa haruma zin sana sambali nambali ili huja warenge fuvu haruma ya hafla inu ya mtashio makfira na haruma bia nuka njiyo hulu pale ikao ye la meri ya he mkabala wanis watawa ili hafla inu nendele na mwanao ra wazungu rara wa Komor onsi pia ngajihun rao vano ngarajo shinda rambi ukayala hakika nguna wa rehemu nguna jalike mala wafariki wafuma zahidi ya kamuga wenze abo yaka inu ajali nziro ikawo ijiri haruma ensi hatu majawuri mabia nuka ya andwenji warenge fuvu haruma ema jiho yanu kao nga mono konseye spesial wa waziri mzamani ngevano bwana Tofik National ebonge dogomba mgu ike mahala walio nguye wa rehemu ya walaze wa jema inshallah nge jale kawafuma zahidi kamgwa venze uliho wanu wafu haruma ajali ya mro ikao wakakadri ya mfukari ebonge wangalizi wajeni kwa tula wahuja wajeni kwa tula wahuja shwarjuma bian kanga mjudor sami himbavi kai connection ge kupe hao kaya sisi de rende sa o ye connection shaunu mahala ni rijunda o ala hakika mahala ni ka o bona tabu ya connection shangare la uzao ili rimniken enamna ya hafla inu ijohendelea
bengi wangalizi rimambianu kanga mjori sami namne connection iliyo au karjonza rikina connection jema shema la mirjunda au karjunda au sousol malanika au over zero ne connection shangara la uzao rimnikeni namna zabari zendele ya ori mambianu kwa jeni wenji nga uvanu warenge fufu kunu msiba waremo wa Komor kutsi na janibu tuka uyonti shaunu msiba waremo wa Komor wanti pia lohamba inna lillahi wa inna ilahi rajun ngu ya warehemu ya walaze wa jema uliho wapara uliho li ajali nziro ya jiru na wakati uziro hamada unu mruamba wabashiru swabirina alladhina idha asabatuhu min musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ilo dele kalima urapukani ilo uliho du msiba mziro wa warema wa kumur amadeheli mwona wu Monsieur Papa, la prière de se présenter au niveau de la régie, s'il vous plaît. Monsieur Papa, la prière. Gardez-vous la rousse. Gardez-vous la rousse à pied. Vous êtes bien L'argent monessani et Kairezo iri rousse, le monessani et ma picha et ma picha et kao. Mandouen d'un ovalingo et dunia. Manu doa valigo et dunia, armé à Jaliamro. Ravina bikaba illa. Allo inna lillah wa inna ilayhi rajiun. Uliho de Ajalin Zero. Mesdames, Messieurs, pour le bon déroulement de cette cérémonie, nous vous remercions de bien vouloir positionner vos téléphones en mode silencieux. Nous vous remercions de votre compréhension. Aronao wajao ikao Ustaz Abdul Karim ikao hala harmao mjwa marse ikao gumafili al mufti Ali Muhammad Kasim ikao woyi Funke Abdul Karim yoka yu marse yadu wadena Ustaz Junaid ikao wanudu wakaribu na mufti Ali Muhammad Kasim Farid Salih wajao ikao woyi manamkumori ikao yo kakaribu ni wakumori wa jau hakudhuria harimwa omsibauni ngari wanao kaya alalhakiki marengo pia mga uvano wajau mzi wangu mansuabu ikawe kalawa karibu ni wakumori hakudhuria harumwa hafla madainu nana wanruwe njika o iwao hosali ni hunu kabrao shida revubu ndobi na dobi eshelere sijara mbakare diwaza cha otsi wanzahatu cha wakumori wajaha winji wajaha winji mfano wajao ya mudai haki metro maliza ikao sikarila wa mfango da sinae ujiunga usalini hundu shanga mjuwao uliho denamna wandu walo wenji wawano ngari wanao ya meru mzamani wahe pimba yivano wajau haka delege wahe produksyo wabibifaru waka wajau
Abaha ngamadeni monawo inu hafla ilona protocol maksus ya pangwa ne la merianis amonao tungotsali no linjiao tungotsali no linjiao abasa Nomambia nuka ya petanga linu linu sitanga la siyasa sha linu tanga la wako moronti pia zijani bumbali na bali ikawo zire mwano msuiba omla oroho wano mfukare ikawo wafu haruma ajali ya mdo ewege mungu jali ya kawafu mazahe ideka mgu avenza ya mbevo ikedo milango ya hao isha Allah mgu avenza Mwambia nuka wakumori wajaha winji, kabisa, aruha, etangalinu, tangaika o, lirengwa funfu, ni wakumori ranzi, zenye jumbe zalawa Marseille, zenye jumbe zalawa Paris, zenye jumbe zalawa Lyon, nana emikabala ikawo wakumori woka, yonzi pia, nga uvanu usiku walewo unu. Ngasi ngobano sikwa leono ngu ngujwa rehemu awalaze wajema inshallah ketsi ya hambiru wa ndungu wa nao uliho dema picha ya fanya oba uliho ndo akomor onsipia nana e Zijani bubali na bali, tiwa kumo ribahi. Tiwa kumo ribahi. Ra, kwa hele bara la Afrika, raho le bara la Europa, raha le bara la ki, azi pia, onzi pia, vajihundra wakani. Chihanza haa, tuloka, ngavo giza, sha, yode na mna umwenji wa programe wa sikara, tuende sa mwenje, umuhimu wa hatu hii, rione semba virjoni kiwa, Kama baka vati umanjayo kutimu ema uo kuturi rejeisha yade na mna ema vama na watawua wa unihe wa umanje unu. Mwambia nyoka ya inu seremoni di recueillement kwa wangendele yao haruma plastika ya ununisi
uliho di ajali nziro ya mro enene ujirika o ikasibabu ya wandufukare wenda na uvadi ngo ya dunia emange emarengi mbali na mbali yafu wa kumor wa javanu na ya utahasamahe namna ya rezo ilio au kati hanza haki shaumaha la rijihunda onga rijihunda onga sini kabisa yodi namna ya rezo ilio sharju hanza rimnike ni ya rezo njema mwane mapicha mema changara la uzao je les meilleurs lundis actuellement car nous jouons dans le maïab ou aussi ça au moins je les nomme na wajau ya lamer ya hununis watayarisha liho de siku wale on ngamono ngamonao 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 wa kumor nana zikabila mbali na mbali ra owazungu ara warabu ikao waka karibu nuanruanu heni wanru wasikitiha ni ajalinu nga jihundao harumaye seremoni dira kuyima wajau zenye jumbe zala Marseille gizo vanu nana zenye jumbe zala harumazen sanansa mbali nambali ya hunu Faransa ya vo ziba kia bahari linde enamna ye hafla inu ya tayarishiwa ukaya mkini si halevan zonongo zinu zinjie njiani Amjori Samihi, ke connexion biombi. Amjori Samihi, ke connexion biombi. Ono tsianza hatu. Sha umalarjunda on sini kabisa. Sini kabisa. Shangar la uzao rimweshi zani ya mapiche namna ya juhuja. Gamjo uri Samihi. Gamjo uri Samihi.
y a un monsieur qui veut te parler là. Je vais te présenter. Oui, c'est ça. Nous sommes une fois là. Kavati mungoi tosi unimshibaho kama ronsi pia mungu wa rehemu ya walazi wa wajema mungu ajali kwa fuma zahidi insha Allah. استاذ عبد الكريم كونغو مثيلي سيد المفتي الجمهور علي محمد كاسم هنا فرنسا اساها واسول هرما لتنغولين كاستاذ عبد الكريم ويو كهرما ام كبلا ومرسي شاه او لوليه مفتي علي محمد كاسم هنظريها يا جيم ماكيلي هرما لتنغولين Wanu ungajao hambabi hambabi Imamenuka Uwinji wasawaja Uwinji ungajao Uliho Litanga ziru Ikawo Lijiri ya Wakumoto Mesdames, Messieurs, la cérémonie va bientôt commencer. Nous vous invitons à bien vouloir prendre un siège. Des places ont été libérées à l'arrière de la salle. Nous vous remercions. Wishi ya ukaya Itsuha Levano ya hafla ngejunji ya nziani ceremony de recueillement pour nos sept compatriotes morts dans un incendie tragique à Nice dans le quartier de Moulin. Et ce jour-ci, la mairie de Nice, en compagnie avec la communauté comorienne, organise une cérémonie de recueillement au palais. Vous pouvez m'excuser pour regarder l'adresse. Palais Nikaya, ça se déroule
la cérémonie de recueillement. Plusieurs personnalités de la région de Côte d'Azur, ainsi que des autorités du gouvernement français, ainsi que des autorités comoriennes et de la délégation des oulémas comoriens, plus particulièrement celui qui représente le grand mufti des Comoriens à Marseille, Ali Mohamed Kassim, qui est représenté par son éminence Fondi Abdelkarim. Il est présent ici, ainsi que d'autres personnes de la communauté comorienne. Ngo nwarehemu walaze wajema nwandu muzisa omwenje unutianza kushende namne barnamaji siwa rujwanza rimeshize ni mwenje mwema shayode namne barnamaji ya barnamaji siwa nela meri ya hunu nisi ikawa itulelewa ni strozi ebonge unutianza hatu kujuka nwanza rimeshize ni mwenje mwema mapicha mema na connection shande sali ni wakufanya barnamaji nina mmoja na na waja huyo connection kangi yo mbizi kai connection yo mbio si anza hatu connection yo mbi uno si anza hatu shande mahala region ra ukaho nun sinsini kabisa ngarese yo rimike ni mapicha evange apanga mjuri sami She wants to go out. Wangalizi watukufu ma dehelimo nao angavo alama wakati halevano
Haflange Junjianzen, Liho, Ika, Imato, Katsuo Nanai, Ibidike, Yemer, Aou, Oujumbe, Wakaulimba, Sa, Wasuti, Sahen is Jokaya, Gamjo. Casa sequência na missão, o assunto. ذكرتم بل أنتم قوم
أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما La parole est à la famille des victimes. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد صفوة الباري ورحمته وبغية الله من خلق ومن نسل اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعنا معهم بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين أما بعد قال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون صدق الله العظيم. Au nom de Dieu clément, miséricordieux, louange à Dieu, le maître de l'univers, le clément, le miséricordieux, le souverain du jour du jugement dernier. C'est toi que nous adorons, c'est toi dont nous implorons. Monsieur le maire de Nice, Christian Estrosi, Madame la sous-préfète de Nice, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur et Madame les représentants des différents cultes, au nom du grand mufti de la communauté comorienne de France, Cheikh Ali Mohamed Kassim et son Mouftoura. Permettez-moi, en ce moment de tristesse, de vous présenter mes condoléances. Le peuple français est en deuil, en général, et la communauté comorienne. En particulier. Suite au drame survenu dans cette ville si accueillante et inclusive, aucune religion ne prône des actions de violence et de criminalité. Raison pour laquelle
verset coranique a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en disant: quiconque tuerait une personne non coupable ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué l'humanité. Et quiconque fait don de la vie est comme s'il faisait don de la vie à toute l'humanité. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Je vous en remercie. La parole est à la famille des victimes. Plonger leur famille dans une peine incommensurable, inconsolable. Cette nuit terrible du 18 juillet 2024, où mon téléphone a sonné pour m'annoncer le drame qui était en train de se dérouler, je me suis beaucoup interrogé pour savoir comment vous rendre hommage à toi, ma cousine Siti, à toi, mon ami Abdou, à vos adorables enfants, à toi, Jafika. Que raconter de nos moments partagés de votre vie écourtée pour témoigner des merveilleuses personnes que vous étiez? Comment parler de cette belle famille unie et généreuse que vous formiez au point d'accueillir Shafika chez vous comme votre propre fille? Je me suis dit que le mieux est de témoigner de qui vous étiez. Shafika, toi qui partageais ton temps entre la Côte d'Ivoire et la France, tu avais été accueillie comme une fille par Siti, qui t'hébergeait avec une immense générosité. Tu voulais parfaire ta formation en anglais. Tu aurais eu 24 ans le mois prochain. Tu laisses un frère et mari et pleurer. Abou, toi, ce père de famille qui aimait tes sept enfants, de la même manière, tu travaillais dans les bâtiments à Monaco pour subvenir aux besoins de ta belle famille. Courageux, discret, un peu réservé, mais toujours serviable, toujours disposé à aider les autres. Parfois même à ton propre détriment, tu étais tellement gentil. Cette gentillesse, cette disponibilité par les autres, pour les autres, tu l'impliquais à tes enfants qui étaient tous serviables avec leur cœur sur la main, toujours prêts à rendre service. Afradi, Afradi, d'abord, 17 ans, lycéen aux Eucalyptus, où tu aurais dû passer ton bac de mécanique l'année prochaine. Tes professeurs ont témoigné avec
beaucoup d'émotions. De ton investissement dans tes études, de ton sérieux, de ton calme, de ton intelligence, un peu réservé, toi aussi comme Abdou. Tu étais tenace et préservant pour mener à bien ce que tu étais fixé comme objectif. Sanjema, 10 ans. Une jeune fille souriante, joyeuse, au grand cœur. Depuis tout petite, tu voulais devenir médecin pour aider et soigner les autres. Toujours prête à aider sa maman et tous ceux qui avaient besoin d'un coup de main. Autonome, très jeune, tu étais la fierté de ta maman. Omar, 7 ans. Omar, 7 ans. Un petit garçon rieur, espiègle, qui s'est joué de ses sœurs, toujours prêt à leur piquer leurs affaires pour les faire râler. Ta plus grande joie avait été la naissance de ta petite sœur, Maya. Tu es désormais à ses côtés pour l'éternité. Maya, 5 ans, notre petite princesse, le soleil de la famille, la petite dernière. En septembre, tu allais rentrer en grande section des maternelles. Tu étais là. Tu étais la fleur illuminante de la famille. Tu étais le moteur qui faisait avancer toute la famille. Sa source d'inspiration et de motivation, un vrai bonheur, t'avoir pour petite nièce, toi qui illuminais nos vies. Sidi, 6 ans. Ma cousine. Une formidable mère de famille. Tu étais tellement courageuse, tellement généreuse. Arrivée en France avec tes jumeaux Afadi et Afouati, tu t'es battue pour trouver un toit, un travail pour installer ta famille et faire venir en métropole Zeroudine et Zekidine. Combien de fois tu m'appelais pour un conseil, une aide. J'ai veillé sur toi comme on veille sur une fille qui était si attachante, si aimante. Aimante de ta famille, bien sûr, mais aussi avec les autres. Tu as été toute ta vie disponible pour les autres, même dans les épreuves que tu as traversées. Sache qu'aux côtés des garçons, ton frère, Toaldine, veille sur eux comme tu lui as appris. Tu as pris soin de lui quand il était enfant. À son tour, de s'occuper de tes fils qui se trouvent seuls aujourd'hui. Des vies brisées, des rêves à jamais perdus. Aujourd'hui, nous sommes en deuil. Les familles sont endeuillées. Les Comoriens, les Nussois sont endeuillés. Mais d'abord, mets debout et unis face à ce drame. Je voudrais vous dire à vous, Afouadi, Zeroudine, Zakidine, qui lutte pour sa vie sur son lit d'hôpital. À toi, Chaer, vous dire que vous n'êtes pas seul. Nous sommes là à vos côtés depuis ce drame qui vous a rendu orphelin. Orphelin d'une mère, orphelin d'une sœur, nous serons là à vos côtés demain, pour que vous puissiez surmonter cette épreuve et prendre votre envol. Et nous serons à vos côtés à chaque fois que vous aurez besoin de nous. À cet effet,
Je souhaite remercier très sincèrement tous ceux qui sont, tous ceux qui se sont mobilisés sans relâche depuis le drame. Je souhaite remercier l'association Adam et Karim Ben Ahmed pour son soutien, les habitants des Moulins qui ont fait preuve d'une générosité exceptionnelle pour aider les enfants rescapés. Je souhaite adresser tous mes remerciements à Madame la sous-préfète qui nous accompagne pour les formalités. Je souhaite remercier la ville de Nice, l'ensemble des élus des conseillers municipaux et des services mobilisés depuis lors pour nous accompagner dans chaque démarche. Je souhaite tout particulièrement souligner l'aide de Monsieur le maire de Nice, Christian Estrosi, du premier adjoint au maire Anthony Boré et sa femme Véronique, qui sont à nos côtés depuis les premières minutes. Sans vous, nous n'aurions pas pu surmonter cette tragédie. On a beaucoup de chance d'avoir des élus aussi présents, aussi disponibles. Ce n'est pas partout comme cela. Alors, au nom de la famille, au nom de la communauté comorienne de Nice et d'ailleurs, je voulais vous dire tout simplement merci. Shafika, Abou, Siti, Maya, Omar, Sanjema, Afradi, nous ne vous oublierons jamais. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi de vous exprimer ma profonde reconnaissance pour votre soutien lors des décès de mon frère Abdul Kassim Ahmada, ses enfants Omar, Oumaya, Afradi et Sandjema, sa femme Siti, ainsi que sa cousine Shafika. Votre empathie a été très appréciée par l'ensemble des familles des victimes. Je ne vais pas être très long dans mon discours, mais je tenais à vous dire que mon frère Abdul Kassim Ahmada et toute sa famille resteront à jamais dans nos cœurs. Merci à la ville de Nice. Merci à la communauté comorienne de Nice, aux différentes cellules d'aide mises en place par la ville. Merci au village de Numata Bambao qui se trouve aux Comores et tout Bambao et la Grande Comore. En jouant Mali, Gazidia, on est tous endeuillés aujourd'hui. La France, endeuillée également. Merci.
inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Je ne veux pas être très long. Tout a été dit par mon grand frère, Erdim. Il a parlé de la générosité des Sittis. Et ces enfants qui venaient souvent chez moi, accompagnés de Shafika, qui jouent avec mes enfants. Je pense qu'aujourd'hui, comme tous, nos cœurs saignent. C'est parce que c'est une famille qui n'a rien à voir. C'est parce que la République a été frappée de son cœur et de sa chair. D'abord, cette mère-là, c'est ce soir-là, j'ai le plaisir pour aller à Marseille. On est venu à 11h, à Marseille à 15h. Elle prendra jamais ce plus. Jamais. Excusez-moi, je vous remercie d'avoir regardé ce match. La famille a remercié, mais je demande de voir en tant que membre de la famille de Shafika, les membres de la famille, parce qu'on est tous une famille, et on a été toujours une famille. Omer Denis, qui dès les premières heures a été toujours là. Son premier adjoint, Anthony Gouré, et aussi à Madame Dominique Bourré. Et je peux vous dire son courage, Véronique Doris, excusez-moi, son courage, son abnégation, sa gentillesse et ses devoirs. Pas parce qu'il est élu, pas parce qu'il est administrateur, mais en tant que humain. À 1h du matin, il nous envoie des messages. À 1h du matin, elle nous a appelés pour confiner certaines choses. Et aussi à Madame la sous-préfète, Madame Jeanne Ben-Sidera, qui nous a énormément aidé au niveau administratif. Je voudrais aussi remercier à toute la communauté comorienne. Elle a montré aujourd'hui qu'elle était toujours soudée et unie. Comme vous voyez là, ils viennent tous de tous les régions de la France, de Marseille, de Paris, de Lyon. Il y a le même qui vient de Genève, où ça porte témoigner la solidarité comorienne et la solidarité française. Je voudrais aussi remercier à tous les représentants des cultes qui montrent qu'aujourd'hui, ce drame est pour tout le monde. Et je vous remercie. Désolé si j'ai été trop long. Merci beaucoup.
Assalamu alaikum à tous. Tout d'abord, je tenais à me présenter pour celles ou ceux qui ne me connaissent pas et qui se sont déplacés spécialement ce jour pour venir partager ce deuil avec nous. Je m'appelle Abdallah Sayer Toualdine, le petit frère de Siti, la maman qui a péri dans cet incendie. C'est avec beaucoup de tristesse, le cœur serré, que je prends la parole aujourd'hui. Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'être ici avec nous pour partager notre deuil qui a touché le monde entier. Je ne veux pas dire trop de choses, car ceux qui me connaissent savent quelle relation j'avais avec ma sœur, avec toute la famille. C'était des gens respectueux et respectés, que Dieu les accueille dans son fil Jannah, Inch'Allah, et qu'il nous donne la force d'accepter et de guérir nos cœurs, idhnillahi al-karim. Et je tenais à remercier toute la ville de Nice et également le maire, monsieur Christian Exposi, également madame Véronique Bourré, qui était toujours, enfin, qui sont toujours à nos côtés jusqu'à présent, et son mari aussi, Anthony Bourré. Je vous dis merci du fond du cœur. En fait, je n'ai pas les mots pour vous remercier, mais qu'Allah vous récompense. Merci beaucoup. Merci à tous. Je vous remercie du fond du cœur. Mes sincères remerciements. La parole est à Monsieur Christian Estrosi, maire de Nice, président de la métropole, président délégué de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le maire Waham Kabbala, Sibana Estrosi, Rajeshli Makalahal, au lieu des cérémonies de recueillement, Ndeleahou, Palais Nikaya. Merci, mon ami. Tous membres de cette famille dont je me sens si proche depuis longtemps, merci d'avoir utilisé les uns après les autres des mots si forts où je me sens comme un membre de votre famille. Et j'y associe naturellement mon épouse Laura qui m'accompagne. Je veux remercier d'ailleurs Madame la sous-préfète, représentant l'État, Monsieur l'ambassadeur des Comores en France, auprès de l'UNESCO. Le président des Comores a tenu à m'appeler hier pour transmettre ses pensées naturellement. Et puis Madame la sénatrice, Monsieur le maire de Saint-Laurent-du-Var, Monsieur le député Philippe Pradal, Mesdames et Messieurs les élus qui entouraient notre premier adjoint, Anthony Bourré, notre vice-présidente de la région, Véronique Bourré,
nous ne pouvions ensemble ne pas faire défaut à ce temps si fort, où je vois toute la grande famille des Comores, mais bien au-delà, qui est rassemblée aux côtés de ces 7 cercueils. Je veux, cher Cheikh Abdelkarim, vous qui représentez le grand moufti de France, remercier pour leur présence. Monseigneur Jean-Philippe Nou, l'évêque du diocèse de Nice, Monsieur Jérôme Cuglioli, le président du Conseil représentatif des institutions juives de France, le père Radou Totelacan, doyen orthodoxe de l'Église roumaine, le père Gustavo Gonzalez, vicaire de la paroisse Sainte-Marguerite, Jean-François Rosa, représentant la communauté bouddhiste, pour démontrer combien, de manière interreligieuse, aux côtés de la grande communauté musulmane, notamment celle des Comores, tout le monde a souhaité être autour de vous, de manière fraternelle, pour montrer combien nous sommes dans une ville, de la culture, de l'identité, de la condition sociale, et tout simplement du lieu d'où l'on vient, de la planète. Ici, nous tenons à ce que chacun soit regardé avec la justice, l'équité et la fraternité nécessaires. Lord City, Abou, Shafika, Afradi, Sanjema, Omar, Oumaya, vous êtes partis il y a 10 jours. Vous aviez 5, 7 et 10 ans. 17 ans, 22 ans, 45 et 46 ans. La vie, votre vie devant vous, vous n'auriez pas dû mourir cette nuit-là. Vous n'auriez pas dû mourir comme cela. Vous êtes mort pourtant et les moulins vous pleurent, Nice et la France vous pleurent. En chaque foyer de Nice, en chaque famille, on vous pleure et on a le cœur brisé. Parce qu'une famille qui disparaît presque tout entière, c'est un cauchemar. Parce que des enfants qui meurent, ça ne devrait jamais exister. Parce que vous étiez innocent et que vous avez été assassiné sauvagement. Que ces 3 enfants soient morts, qu'un adolescent ne puisse vivre sa jeunesse, que 3 vies d'adultes aient été si brutalement interrompues, cette nuit d'horreur, ces derniers instants, ça m'arrache le cœur, comme ça vous l'arrache à chacune et à chacun d'entre vous, ça me bouleverse, mais je vous le dis aussi, ça me révolte. C'est le maire de Nice, mais aussi le papa qui parle. Je crois que tous les Niçois sont comme moi. Ils ont le cœur brisé et ils ressentent de la colère. Non, vous n'auriez pas dû mourir cette nuit-là. Je suis en colère et je suis triste de savoir que Maya ne rentrera jamais en grande section de maternelle, qu'elle ne fera plus ses petits coucous quotidiens à son directeur d'école, qu'elle n'essaiera plus d'apprendre à sa maîtresse les mouvements de danse que son frère lui apprenait, qu'elle ne répandra plus sa gentillesse et ses sourires autour d'elle. Oumaya, tes sourires vont manquer au moulin, ils vont manquer à tes enseignants, à tes camarades, à tes voisins, ils vont manquer. Tu vas nous manquer. Tu aurais dû grandir à Nice. Omar, tu ne pourras plus veiller de loin sur Oumaya quand tu l'apercevais à la récréation de l'autre côté de la grille. Tu ne pourras plus non plus embêter tes sœurs comme tu aimais tant le faire. Sanjema, toi non plus, tu ne pourras plus veiller de loin sur ta petite sœur adorée
et toi qui voulais devenir médecin ou infirmière pour prendre soin des autres, tu ne pourras jamais prendre soin des autres. Alors aujourd'hui, par notre cœur, c'est à nous de prendre soin de toi. Afradi, toi tu étais déjà grand. Tu aurais dû avoir ton bac l'an prochain. Discret, bosseur, tes professeurs te voyaient réussir. Et peut-être, sans doute, toi aussi, tu te voyais réussir. Mais ta vie t'a été volée. Et on ne pourra pas fêter avec toi ton bac. Je suis en colère et je suis triste de savoir que Shafika, votre tante, ne verra pas ses 24 ans. Shafika, je ne vous connaissais pas. Vous passiez seulement des vacances à Nice. Vous étiez notre hôte et jamais votre vie n'aurait dû s'achever ici. Ce que je sais, c'est que vous aviez la vie devant vous, que vous partagiez votre vie entre la Côte d'Ivoire, dont nous sommes si proches à Nice, puisqu'Abidjan est notre ville jumelle, et la France, et que vous laissiez derrière vous un mari que je veux saluer. Monsieur, toute la ville de Nice vous accompagne dans votre douleur. Je suis en colère et je suis triste de savoir que vous, Siti et Abou, vous ne pourrez jamais voir votre maison construite aux Comores. Vous en avez rêvé de votre maison. Vous aviez acheté le terrain et vous étiez prêt. Mais non, on vous a volé votre vie, on vous a volé vos rêves, et c'est tellement injuste. Siti, vous aurez toute votre vie aidé les autres. Vous en aurez pris soin. Vous vous êtes battu sans relâche, avec courage, toujours le métro, toujours drôle, toujours là pour aider. À bout, vous aurez aidé à bâtir des maisons, des immeubles, des appartements, à bâtir notre ville et notre région. Battant, courageux, généreux, toujours le premier à donner de votre temps, de votre personne, au service de vos proches, au service des vôtres, toujours aussi avec vos petits, quand vous n'étiez pas en train de travailler. Oh, c'est quelque chose qui va beaucoup manquer au quartier. De vous voir dans la rue avec les petits qui venaient dire bonjour en courant. Abou et Siti, vous avez eu tous les deux une famille formidable, belle, exemplaire, admirable. En vous voyant en photo, les uns à côté des autres, français, niçois, en tenue traditionnelle, on voit en vous le visage de la République française, celui de l'émancipation, celui des promesses et celui des réussites à venir. Et c'est insupportable de se dire que cette promesse française, vous ne la vivrez pas, parce que vous avez été les victimes du narco-terrorisme. Vous manquerez au quartier, vous manquerez à Nice, vous manquerez à la France. Et la France vous doit encore justice. Ces lâches qui vous ont assassinés, nous ne leur laisserons aucun répit. Des dizaines de policiers et de magistrats sont mobilisés jour et nuit. Et ils ne lâcheront rien tant qu'ils ne seront pas condamnés. Je veux leur dire à ces lâches qu'ils vous poursuivront partout où que vous vous trouviez. L'enquête avance vite et dites-le-vous bien. Vous paierez pour ce que vous avez fait. Et toute votre vie, vous aurez ces 7 visages. C'est cette vie sur la conscience. Je veux m'adresser aux survivants de votre famille, Afwadi, Zeroudine. Je ne peux rien vous dire. Il n'a rien à dire sinon que nous sommes là pour vous avec votre frère Zaïkidine, ou naturellement aujourd'hui sur son lit de douleur et de souffrance. Nos pensées vont vers lui pour qu'il guérisse. En tant que président du Centre hospitalier universitaire de Nice, je veux
remercier tous les médecins qu'elle eut à ses côtés pour qu'ils trouvent la voie de la guérison. Nous sommes là, vous n'êtes pas seuls. La ville entière est à vos côtés. Je veux aussi dire à toute votre famille, tous vos proches qui sont présents aujourd'hui, tous vos voisins, connaissances, vos enseignants, toutes ces personnes qui vous ont vu grandir et qui passent leur temps à dire quelle famille exceptionnelle vous étiez, que je suis, que nous sommes, nous n'y soyons à leur côté. Ce drame touche de plein fouet les Comoriens de Nice. Mais bien au-delà des Comoriens de Nice, en saluant tous ceux venus aujourd'hui vous entourer de France et d'ailleurs, des personnes admirables, exemplaires, qui m'ont si souvent montré de l'amitié et à qui je veux dire toute la peine que je partage avec eux. Vous faites partie d'une communauté forte, courageuse, très soudée, et vous le montrez encore ces jours-ci. Je serai toujours là pour vous, pour le quotidien et dans des épreuves comme celles que nous traversons, vous le savez. Et je ne cesserai de dire et de redire combien la communauté comorienne de Nice, au même titre que nos 7 disparus, représentait dans notre ville une communauté si exemplaire dans l'éducation qu'elle donnait à ses enfants, dans les valeurs de la République qu'elle s'était fait sienne et qu'elle s'est fait sienne, et dans la place qu'elle occupe dans la cohésion économique et sociale de notre ville. J'ai forcément aujourd'hui une pensée particulière pour vous, mon ami Erdine. Erdine, je suis désolé, nous aurions dû nous voir au festin en septembre. Pas aujourd'hui, pas ici, pas comme ça. Je veux aussi saluer Najim Aïcha, vous qui travaillez à la ville, vous étiez encore le dimanche d'avant en train de déjeuner avec le papa. Je ne peux pas imaginer ce que vous vivez. Je n'ai pas les mots, je ne suis pas sûr qu'il en existe, mais vous savez que nous sommes tous là avec vous deux. Pour eux sept. Et quand je vois ces visages, on voit que les trafiquants et les assassins n'ont aucune limite. Alors oui, je suis triste, mais oui, je suis en colère. Je ne comprends pas comment on peut assassiner des enfants et des innocents en l'indifférence du pays. Je ne comprends pas comment la mort de 7 innocents peut susciter moins de réactions collectives que celle de Naël. Où sont les rappeurs? Où sont les artistes? Où sont-ils tous? Pourquoi ne sont-ils pas là aujourd'hui avec nous? Je ne comprends pas que nous soyons si seuls aux côtés de votre communauté, aux côtés des habitants des Moulins. Je suis en colère, mais pas découragé. Je continuerai à faire tout ce que nous pouvons pour accompagner naturellement, avec Anthony, Véronique, Karim Benhamed, conseil municipal, mon épouse si fidèlement à mes côtés, pour accompagner les victimes et les voisins, pour les reloger, pour ne pas les laisser seuls face à ce drame et face à ces images qui reviennent dans notre tête, face à ces questions, pourquoi eux et pas moi? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent? Vous avez tout tenté, vous avez fait tout ce que vous avez pu, et je veux vous en remercier du fond du cœur. Chers voisins, votre courage a été immense, même s'il n'a pas suffi à éviter ce drame. Vous ne pouviez rien faire de plus. Je veux aussi saluer les pompiers qui sont intervenus au péril de leur vie et qui ont sans doute sauvé d'autres vies ce soir-là, même s'ils n'ont pas pu sauver nos 7 frères et sœurs. Vous savez, je n'ai jamais cessé d'œuvrer
à ce que les Moulins soient un quartier comme les autres. On en parle autrement que pour évoquer la délinquance et l'insécurité. On parle plutôt des réussites, des familles qui habitent le quartier, des familles comme celle d'Abou et City. On a fait beaucoup, beaucoup avancer. Mais voilà, on est confronté à une toute petite minorité de gens, souvent venus d'ailleurs, qui veulent s'approprier des pans le quartier. Vous avez le droit, comme tous les Niçois, comme tous les Français, de vivre en sécurité. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas tout. Pas tout seul, en tout cas. L'État doit prendre ses responsabilités et prendre à bras le corps la lutte contre le trafic de drogue, ici au Moulin et partout en France. Alors oui, je ne lâcherai rien et nous ne nous abandonnerons pas. Nous ferons face ensemble, comme un peuple, le peuple de Nice, soudé dans les joies, soudé dans les peines et les tragédies. Et je suis heureux et touché, fier même de voir que tant de Niçois se sont manifestés pour nous demander qu'est-ce qu'on peut faire pour aider. Je veux tous les remercier. Les anonymes dans toute la France qui ont fait un geste, les habitants des Moulins, les Niçois de tous les quartiers, les associations, les agents de Côte d'Azur d'Habitat, de la ville et du Centre communal d'action sociale. Vous êtes nombreux présents aujourd'hui. Alors je vous le dis, merci de tout ce que vous avez fait et de tout ce que vous ferez pour cette famille et pour toutes les victimes de cette soirée. C'est ça, être Niçois. Être solidaire, en toutes circonstances. Un peuple uni aujourd'hui pour pleurer. Sidi, Abou, Shafika, Afradi, Sanjeba, Omar, Oumaya, Nice, on ne vous oubliera pas. Reposez en paix. La parole est à Madame Jehan Belcedira, sous-préfète des Alpes-Maritimes, représente Monsieur Hugues Moutou, préfet des Alpes-Maritimes. Monsieur le Président de la métropole Nice-Côte d'Azur, maire de Nice, Christian Estrosi, Monsieur le Premier adjoint, Anthony Bory, Mon Excellence, l'ambassadeur auprès de l'UNESCO, Monsieur Mohamed Bajrafil, Madame la Vice-Présidente de la région PACA, Véronique Bory, Madame la Sénatrice, Dominique Estrosi-Sassonne, Monsieur le Député, Monsieur le maire de Saint-Laurent-du-Var, Joseph Segura, Monsieur Karim Benhamed, conseiller municipal, très chers partenaires institutionnels, associatifs et religieux, très chères communautés comoriennes, très chères habitantes et habitants du quartier des Moulins, chacun en vos grades et qualités.
Aujourd'hui, nous sommes réunis dans la douleur et le recueillement à la suite d'un incident tragique survenu le jeudi 18 juillet à 2h30 du matin au 38 rue de la Sainte-Oline, située dans le quartier des Moulins. Cette nuit-là, 7 enfants de la République ont perdu la vie. Cette nuit-là, la République est entrée en deuil. Mouadi, Afradi, Siti, Sanjema, Oumaya, Omar et Jafika. Cette nuit-là, ces destins ont été brisés. Des familles ont été décimées. Cette nuit-là, cette nuit d'horreur, un quartier tout entier a subi un drame. C'est avec une profonde tristesse et une forte émotion que je prends la parole à l'ensemble du gouvernement. Cet événement, vous l'avez dit, monsieur le maire, marquera une empreinte indélébile sur notre commune, sur notre département, sur l'ensemble de notre territoire national. Il laissera derrière lui des familles endeuillées, des blessés et des vies bouleversées. Avant toute chose, je souhaite donc, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, adresser à l'ensemble des familles endeuillées notre plus sincère compassion. Perdre un être cher est une épreuve indescriptible. Perdre un être cher dans de telles circonstances est une ignominie infâme. Nous ne pouvons qu'imaginer la douleur et le chagrin que vous ressentez en ce moment. J'aimerais à présent m'adresser aux 3 survivants, Zahiroudine, Afouadi, que j'ai eu l'honneur de pouvoir rencontrer et accompagner, et Zakidine, que je n'ai pas encore rencontré, qui est encore aujourd'hui hospitalisé. Je souhaite m'adresser à vous, ainsi qu'à Chaer, qui a perdu sa complice, sa moitié, sa sœur aînée, Shafika, pour vous dire que toute ma gratitude et tout mon dévouement vous accompagnent. Mes pensées vont également vers Abdallah Touadine et son épouse, et à M. Djoumoua Ahmed, qui sont, et je l'ai vu au travers des discussions que nous avons pu avoir, les piliers de ces jeunes, en plus d'être leur oncle maternel. Vous faites tous preuve d'un courage et d'une dignité remarquables face à cette tragédie sans nom. Et nous sommes collectivement, État, collectivité locale, association, déterminés à vous accompagner durablement sur le chemin de la reconstruction. Naturellement, rien ne peut combler la perte de ce que nous aimons. Mais sachez que vous n'êtes pas seul. Nous partageons votre peine dans cette terrible épreuve. La solidarité de la nation vous accompagne. La solidarité d'un territoire tout entier vous accompagne. Et votre présence, nombreuse aujourd'hui, unie par l'entraide, en témoigne. J'ai également une pensée aux personnes qui ont été blessées et à celles qui ont perdu leur logement, leurs biens, leurs souvenirs. Je tiens désormais à remercier tous ceux qui ont prêté leur concours en œuvrant, souvent de manière silencieuse, discrète, à hauteur de femmes et d'hommes, pour prévenir, assister, secourir et guérir. Je tiens à exprimer ma reconnaissance et saluer le courage des pompiers, des forces de sécurité intérieure et tous les bénévoles et habitants qui ont risqué leur vie pour sauver les vies. Leur dévouement et leur bravoure sont exemplaires. Je veux également souligner le dévouement, la dignité et l'engagement de la communauté comorienne, et en particulier de son représentant local, M. Maïcha,
qui a su épauler les victimes et leurs familles, nuit et jour. Je le redis, les gestes et les mots de chacun et de chacune montrent que même dans les plus sombres moments, la bienveillance et l'entraide sont des valeurs nobles, profondément humanistes et au cœur de notre République. En ce moment de recueillement difficile, il est essentiel de se rappeler la force de la solidarité, la force de la communauté nationale. Nous sommes cette communauté, unie, et c'est ensemble que nous pourrons surmonter cette épreuve. Face à cet acte de barbarie infâme, nous montrons une force et une résilience admirables. Les élans de solidarité se sont multipliés, ils vont se poursuivre. Des voisins se sont portés secours mutuellement et de nombreux citoyens ont offert leur aide aux victimes. Je tiens ici à remercier les associations et les commerçants du quartier des Moulins qui ont fait preuve d'une grande générosité pour apporter un peu de réconfort et d'espoir en cette période éprouvante, que ce soit en offrant un abri, des vêtements, de la nourriture ou même simplement un mot de réconfort. Leur dévouement, s'il le fallait, est un témoignage éloquent de l'esprit de solidarité qui caractérise et qui anime au quotidien le quartier des Moulins. Mais cette tragédie nous rappelle également l'importance et la vigilance que l'État doit avoir en matière de lutte contre le trafic de drogue. Soyez assurés de la détermination de l'ensemble des forces de sécurité, à commencer par le procureur de la République, Damien Martinelli, qui dirige cette enquête et qui fera en sorte de rendre justice de la façon la plus ferme possible. Aujourd'hui, nous pleurons nos disparus, nous soutenons les blessés et nous épaulons ceux qui ont tout perdu et qui restent psychologiquement très marqués. Soyez certains que jamais nous ne vous abandonnerons. La justice sera rendue. Le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur s'y sont engagés eux-mêmes le jour même du drame lors de leur déplacement. Face à la fureur des assassins, nous avons mis au cœur de notre réponse l'état de droit, la garantie des libertés, l'apaisement par la force de nos lois. Nos services, et vous l'avez dit, monsieur le maire, sont très fortement mobilisés. L'ensemble des services de l'État sont très fortement mobilisés et nous mettons tout en œuvre pour identifier rapidement et arrêter les auteurs de cette ignominie. Je souhaite désormais rendre hommage aux victimes. Sur ce chemin du chagrin et de la volonté, l'État se tiendra de manière indéfectible aux côtés des survivants. Je vous invite tous à continuer de vous soutenir mutuellement, à tendre la main à ceux qui en ont besoin et à rester unis. Nous surmonterons cette épreuve ensemble et nous en sortirons plus forts et plus solidaires que jamais. Je souhaite désormais m'adresser à Zahiruddin, Afouadi, Zakieddin, Shaer, chacune de vos douleurs, avec sa date, son heure banale, devenue maudite, vous appartient à l'épaisseur de vos vies et à vos silences. Ce qui appartient à l'État, c'est cette responsabilité de justice, de secours et d'accompagnement dans la durée. Ce qui appartient à la nation est cette grande émotion de pensée et de mémoire. Nous sommes pour toujours à vos côtés.
Mesdames, Messieurs, nous allons à présent assister à la prière rituelle aux morts par le cheikh Abdelkarim. Jeanne Anosalia Zemaiti et Makatia. الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله Facebook FM nani radio ya Majafari nani la Baraka FM adaradunga iswala Jodunga ulivo ema kiesi ngedao na ujusiwa ema katiani aweka mlungu ya lewandro aweka mlungu ya lewandro ya avu ya seremoni de rekuima jo ndana ukaza kifuti ya lewandro uliho ngaruwa nao kaya zema iti zandiso ujusiwa Jumra wa armale dao la pale nikaia nikao hivyo wandu wako falia ceremony de repeino respectons la famille jusqu'au bout. Il fait de grands efforts.
Il y a encore 5 minutes. Merci beaucoup. والشمس تجري نحو المغرب.
et messieurs, pour votre parfaite information et pour tous ceux qui le souhaitent, la cérémonie se poursuit au cimetière de l'Est. Wangalizi watukufu wa Facebook FM nana la Baraka FM nana zimba wazimu tangazo makaulunga mwishi ya ukaya emazi honga edelea uharumisi metia mjiswiti ikawa wabi mwazi ya juhu edelea ya honga rangalia we namna ya ukaya rishide rejitekeleze ekari hundunzia ekaya karajia hundunzia nga mjohuri samihi uliho ngaranza ori mweshi zeni uliho domsiba honu enamna wavira enamna wendelea ukumgu uju wa rahemu ya walaze wa jema nga jaleka wafuma zahili uwanza hemgu isha Allah ebunge ata mpaka leyavu ngarjozi ambavi ya matangazo ya hatu amadheri muna o wakumor nana wahe jani bumbali nambali mwa uvano ili uweha mhono watanga na seremoni jorekuima ikawo yendelea usiku wale wono evangia ingarijoka za kifuvanu ye watangazwe hatu ili rangalie kenga vazindwa jina ngarijori diri mwenshi zeni ezilera hau ya makati ya jao filme zile bwende zile di mifitura ambasadero mifitura ambasadero mifitura ambasadero.